Salut à tous, c'est Capitaine Flamme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième tips and tricks de la classe Roublard. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer le sort Kaboom, donc qui est le sort que l'on obtient au niveau 100. Donc c'est un sort vraiment génial à jouer. Pourquoi? Parce que en fait, ça nous met dans un état. Donc pardon, l'état Kaboom. Et je vais vous lire ce qu'il écrit. Donc, rend les alliés et le roublard invulnérables aux explosions de bombes déclenchées et leur confère des bonus. Donc, plus explicitement, je vais vous montrer. Donc, en fait, les bombes, moi personnellement, je les ai montées toutes niveau 6 pour avoir le maximum de leur boost, donc des effets bonus qu'elles donnent. Donc, on va se lancer sur un simple combat pour que je puisse vous montrer tout ça. Donc, alors. On va commencer par l'explobomb. Par contre, en fait, le truc c'est qu'avant les bonus ils étaient affichés ici, mais maintenant je sais pas pourquoi ils les ont retirés. Enfin, c'est un peu dommage pour ça que je vais vous montrer. Parce que les gens qui jouent cette classe ne sont pas forcément au courant, mais c'est vraiment un truc génial. Donc, l'état Kaboom, qu'est-ce que c'est? Donc, ici j'ai posé une bombe explobombe, donc une bombe feu. Et je me mets en état Kaboom. Normalement, ceux qui suivent mes vidéos, vous devez déjà savoir ce que c'est, mais c'est plus pour les personnes débutantes en roublard. Donc je vais déclencher la bombe, là vous allez me dire non, non, tu vas me prendre des dommages, mais en fait non. Donc ici vous pouvez voir, ça s'est mis ici, j'ai déclenché en fait la capacité spéciale de la bombe. Elle m'a boosté de 140 en puissance ou 140% de dommages pour ceux qui jouent depuis plus longtemps. Donc le boost maximal que l'on peut faire, c'est 3 fois la même bombe. Je vais passer mon tour rapidement pour que je puisse vous montrer ça. Donc le nombre de fois maximum, donc pour l'explobombe, ça va me booster à 480%. Je vais vous montrer ça. Hein. Donc voilà. Et il me semble que les murs de bombe ne sont pas activés non plus lorsqu'on fait kaboom. Je vais faire ici, je me mets en état kaboom. Voilà. Donc je ne prends pas les dommages de murs de bombe non plus. Donc ici je vais me booster. Donc j'ai reçu 3 fois le bonus, donc là je suis boosté à 100, 480 puissance, donc c'est vraiment pas mal. On va tester ça. Donc voilà, hein. Vous pouvez voir, c'est assez conséquent comme boost. Et en plus de ça, les boosts, donc les bonus offerts par les bombes, ne sont pas désemboutables. La seule chose qui est désemboutable, c'est l'état kaboom. Donc si vous faites kaboom en un tour, bah, il va rester votre tour ici et le tour après. Et il va se retirer au tour suivant. Et le seul truc, on peut vous désenvoûter kaboom, mais on ne peut pas vous enlever vos bonus. Donc je vais vous montrer maintenant la bombe à eau. Donc qui est la bombe qui va vous donner des PA. Donc un seul PA à la fois pour celle-ci. Et ah oui, aussi. Pour l'explobombe, au niveau 1, elle vous donne 60% et ça augmente de 20% jusqu'au niveau 6. Donc ça va être 60, 80, 100, 120, 140 et alors niveau 6, ça confère un tour de plus le boost. Donc le boost ça dure 3 tours et au niveau, pardon, 2 tours du niveau 1 à 5 et au niveau 6, ça monte de 3 tours. Donc maintenant la bombe à eau, elle va vous donner un PA durant 3 tours à son niveau 6 et un PA aussi, mais durant 2 tours du niveau 1 à 5. Donc ça cette bombe-ci, moi je l'utilise aussi, enfin même plus que la bombe R parce que je suis multi, enfin je suis biélément, je suis R feu. Donc en général, je tape beaucoup avec la tornabombe, mais celle-ci, je pense que je vais la débooster parce que j'utilise quasi jamais, voire jamais. Et ça pourrait me permettre de monter un autre sort, donc il faut que je réfléchisse à ça, je sais pas encore trop.
comme on fait. Donc là, encore une fois, le nombre de boosts maximum, ça va être 3. Et donc là, pendant 3 tours, je vais avoir un bonus de plus 3 PA, donc 1 PA par bombe. Et enfin, je trouve ça quand même assez abusé, sachant que c'est pas désenvoûtable non plus. Et le roublard sait se faire ça tout seul. Bon, ok, ça met pas mal de temps à se mettre en route, mais faut pas oublier que en plus de vous booster, si les gens autour de vous sont pas en état kaboom, ils vont être tapés par vos bombes. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger, l'état kaboom, mais si vous jouez un roublard, faites très attention à ça, pardon, parce que ça peut être assez redoutable. Donc ça peut aussi changer toute l'éthique d'un combat, parce que vous allez voir, moi, la chute d'IPA de base. Et 7, 5 PA, 5 PM, pardon. Et quand je peux me booster, donc je peux me booster jusqu'à 13 PA ou à plus 480% de dommages, donc ça change complètement la donne. Ça peut même, pour les personnes qui jouent full Vita, ça peut combler, on va dire, le manque de statistiques rien qu'avec les boosts. Donc je sais pas si vous en rendez compte, mais c'est 2 fois plus qu'un tir puissant d'un CRA. Donc tir puissant, ça donne 250 de puissance. Donc c'est un peu moins de 2 fois plus. Donc enfin, c'est vraiment énorme. Et en plus, vous pouvez le faire, ouais, en croix. Donc vous pouvez booster 5 personnes à la fois. Jusqu'à 480 ou 3 PA. Et maintenant, on va passer à la troisième bombe, qui est la tornabombe. La bombe qui tape R. Et celle-ci va nous conférer des PM. Donc je vais vous montrer encore une fois, avec les belles animations qui ont été refaites, hein, à la 2.6. Et donc je vais me mettre en état kaboom. Et voilà, plus 3 PM pendant 3 tours. Donc là je me retourne à 10 PA, 8 PM. Donc encore une fois, c'est quelque chose à pas négliger, parce qu'un roublard, si vous voulez regarder ça, la portée de truc, donc je suis littéralement un tofu. C'est pas à négliger, parce que quand vous jouez en PvP par exemple contre un roublard et que vous voulez jouer à distance, ben, c'est une des classes, je pense, avec les obals qui ont le plus facile, et aussi les sacrieurs, pardon, qui ont le plus facile à se rapprocher de vous en très peu de temps. Et c'est pas à négliger encore une fois, parce que des boosts pareils, ben, il n'y a aucune classe qui peut vous en donner en un coup, à part un Eka Flip s'il fait un odorat. Enfin, un super odorat, il peut vous m'en donner jusqu'à 3 PA et 3 PM, mais ça arrive assez peu souvent. Donc, encore une fois, 5 personnes, enfin, c'est pas négligeable comme truc. Et je trouve ça vraiment assez énorme pour une seule personne de pouvoir se booster autant. Donc, je crois que c'est à peu près tout, hein, que je vous ai montré un peu tous les niveaux. Donc oui, aussi, la différence que je devais vous montrer, Kaboom, la différence entre le niveau 5 et le niveau 1, c'est juste l'intervalle de relance. Donc le truc qui est génial, c'est niveau 6, il a 3 de relance, et si on met la note classe, on a moins 1 de temps comment, de relance. Donc en fait, on peut être 100% du temps en état Kaboom pour 3 PA. Donc pour les roublards qui veulent jouer vraiment full bombe, ah, c'est assez énorme comme truc. Donc ça, c'est un petit truc que j'ai découvert avec la panoplie de classe que je me suis crafté et que je joue de temps en temps avec, pour un peu voir s'il y a des compos sympathiques qui peuvent être faites. Mais j'ai pas encore trouvé de build assez sympa à jouer, enfin que je pourrais vous le proposer. Donc si un jour je trouve ça, ben, je ferai une vidéo par rapport à ça. Donc c'est à peu près tout ce que je devais vous dire. Oui, je suis presque assez sûr. Donc on va se laisser ici, et merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était le troisième entre guillemets épisode de Tips and Tricks de Roublard, et je vous dis à très bientôt pour la suite des épisodes. Salut à tous.